en se préoccupant de la CEDEAO. La CEDEAO va mourir sa propre mort. À partir du moment où une organisation qui est faite pour faciliter les échanges, pour rapprocher les populations, pour créer les conditions d'un développement régional équilibré et équitablement partagé, à partir du moment où une telle organisation se lance dans des sanctions, dans des blocus et parfois par des mesures draconiennes et surtout illégitimes, puisque aucun texte de la CEDEAO ne prévoit certaines sanctions qu'on nous a appliquées. Lorsque la CEDEAO devient un organisme utilisé pour pratiquer un génocide, parce qu'il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont, c'est un génocide ce qui est en train de se préparer. On empêche aux produits pharmaceutiques de rentrer au Niger. Les besoins alimentaires, tous les produits de première nécessité, on ne leur permet pas de rentrer dans ce pays. Vous savez que d'une façon générale, depuis un certain temps, les Nigériens n'ont qu'un seul repas par jour. Dans presque toutes les familles, c'est une seule fois qu'on fait bouillir la marmite. Le soir, on se débrouille avec les rames, avec ce qui reste. Parfois, les enfants, c'est un petit solani, un morceau de pain sucré. Toutes nos familles vivent dans ces conditions-là. Et vous voulez que nous revenions encore dans les mêmes conditions, travailler avec cette CEDEAO et être membre actif de la CEDEAO? Si la CEDEAO doit mourir, qu'elle meure de sa propre mort. Mais nous, en ce qui nous concerne, si nos dirigeants nous écoutaient, nous, population du Sahel, de ces trois pays-là, on ne regardera même pas derrière. Nous estimons que ce que la CEDEAO a fait, c'est au-delà de toute imagination. On ne peut pas traiter un État membre tel que la CEDEAO nous a traités. Et nous ne l'oublierons jamais. Maintenant, à nos dirigeants de prendre leurs responsabilités. Où ils sont en harmonie avec les populations de ces trois pays-là. Et en ce moment-là, nous créons les structures nécessaires. Et donc, l'AES qui a été accueillie par les Maliens, les Nigériens et les Burkinabés à bras ouverts, je pense que nos dirigeants ont l'obligation morale de transformer ça en quelque chose de positif et en quelque chose qui permettra à ces trois pays-là de réaliser leurs rêves, c'est-à-dire vivre pleinement notre souveraineté et être maître absolu de toutes nos richesses. Voilà ce que nous demandons à nos dirigeants.